J'aime mon métier parce que ça a du sens et c'est ce qui m'anime le plus. Bonjour, je m'appelle Margot Hérouard, je suis chargée de communication chez Hamsun Habitat et je vais vous faire découvrir mon métier. Je m'occupe de la communication interne, externe de l'entreprise, mais j'ai également pour mission de m'occuper de l'événementiel, des visuels, de la création de supports de communication. Je peux également aider des gardiens dans leur démarche ou pour mettre en valeur des initiatives de leur part. En interne, je travaille avec un graphiste et toutes les directions de l'office. Ça peut être les ressources humaines comme le service de proximité, donc les gardiens, les jardiniers. Et en externe, je vais travailler avec des fournisseurs, avec des parties prenantes, notamment pour l'événementiel lorsque j'organise des inaugurations. Je travaille dans le logement social parce que j'ai vécu dans un logement social avec mes parents plus jeunes. J'ai voulu mettre en pratique mon expérience, donc de développer des outils pour améliorer le confort de vie des locataires. Hamsun Habitat est un acteur engagé durablement puisqu'il réhabilite actuellement son siège social, donc notamment en mettant en place des panneaux solaires et en changeant sa flotte de véhicules en véhicules 100% électriques. Hamsun Habitat a mis en place des ruchers au sein de l'office et au sein du patrimoine. Nous avons la chance d'avoir deux apiculteurs en interne. Les abeilles se portent merveilleusement bien et nous pouvons en fait avoir notre propre miel. Ce que j'apprécie le plus chez Hamsun Habitat, c'est vraiment la confiance. Avant d'intégrer Hamsun Habitat, j'ai donc fait une licence en alternance. Et suite à la fusion OPAC-OPSOM, j'ai été embauchée en tant que chargée de communication. On a de la communication traditionnelle, on a de la communication institutionnelle, mais aussi de la communication digitale. Donc ça change et il faut toujours se former et apprendre de nouvelles méthodes de travail. Ce que ça m'apporte à titre personnel, c'est vraiment d'avoir un sentiment d'accomplissement. J'espère que j'aide mes locataires dans leur quotidien et de rentrer chez soi avec ce sentiment, c'est très important.